Bonjour, bonsoir, ça va dépendre de qui va regarder la vidéo. Non, pas c'est Jean-François Batista, technicien en réfrigération et climatisation. Jeudi, je vous ai une très belle opportunité pour vous qui c'est un cours de réfrigération de A à Z gratis. Côté qui avec vous pouvez suivre quoi, vous avez une note pour écrire. Et vous pouvez suivre, pratiquer ensemble avec nous. Ça m'a demandé pour abonner, activer la cloche notification et puis partager la vidéo avec vos amis et famille. Parce que bagala pa gen égoïste. Les gens qui moi-même choisi aider, et bien ou même tout, ou ka choisi aider l'autre. Nous retournons après pause là, ok. Avant que nous commencions, n'a faut qu'on ait si vous avez mis des documents ça sur téléphone pour qu'avancer plus rapide ensemble avec nous. Vous êtes capable de jouer documents ça en PDF sur WhatsApp, ok. C'est un document vous êtes capable d'imprimer tout si toutefois vous voulez. Pour les documents ça et ou payer un frais pour un document ça ou payer par et par mon cash, ok. Moi-même m'a envoyé document pour par WhatsApp. Pour entrer en contact ensemble avec nous, ou contacter nous sur 44 08 04 68. M'a répondu pour encore 44 08 04 68. Appelez nous sur WhatsApp, ok. Nous avons lancé document là. OK, nous connaît tout ça et tout ça qu'a fait, il faut cliquer ça relier un plan. Là normalement nous n'a et nous n'a plan courant là. Nous n'a plan courant qui ça plan courant dit réfrigération et climatisation. Premier point c'est présentation du métier de frigoriste. Nous connaissons tout métier et qui ça relie qui définition oh qui définition les qui origine et tout, ok. Et pour deuxième point nous gain historicité du métier. Métier a gain histoire, il gain côté li sorti, ok, il gain façon il était commencé avant. Et pour troisième point c'est les outils. Technicien doit connaître tout outil qu'il a besoin pour le faire métier réfrigération et climatisation. Les différents types de réfrigération et leur définition. Il y a deux types de réfrigération. OK. Les différents types de réfrigérateurs et leurs différences. Il y a deux types de réfrigérateurs et chaque différence. Pratique soudure. Technicien pour aller poursuivre séance pratique soudure ensemble avec nous. Étude du multitester. Vous allez pour apprendre comment pour manœuvrer le multitester. Parce que pas de technicien sans multitester. Symbole électrique et électronique des pièces. Vous allez connaître symbole électrique et électronique des pièces. Et si toutefois ou t'as rencontré un symbole dans un schéma ou bien dans un plan, ou capable d'identifier le rôle des pièces, ou pas le connaître rôle pièce yo, overload, relais, l'autocorps, OK. Et rôle overload là lui-même, c'est couper courant et sous moteur les courants trop forts avec les courants trop faibles. Après ça, il reprend encore pour 5 à 10 minutes, il reprend encore. Ou alors il est à lui-même, il pas une autre fonction qui démarrage, permet au TA démarrer. Parce que yom et depuis ces appareils qui servent avec courant monophasé, il besoin ça y aurait un déclencheur. OK? Il besoin un déclencheur pour démarrer parce que il pas démarrer
les 7 points importants pour obtenir la réfrigération, il y a 7 points importants pour gain ça relié un cycle frigorifique. Les 3 bornes électriques de moteur compresseur, le moteur gain 3 bornes électriques qui c'est CRS commun warning starting. Code couleur fil électrique, chaque fil yo il gain définition. Ça veut dire fil rouge dans les mêmes et en dit faza qui prend n'importe couleur. Faza qui prend n'importe couleur excepté bleu, jaune, vert. Parce que bleu toujours neutre, jaune, vert toujours pour graon. Savoir comment tester un compresseur avec un multimètre. Technicien pral connaît comment pour tester un compresseur avec un multimètre pour voir si bobinage moteur a si en bon état de fonctionnement, si moteur ça tout s'il pas graon. Satin direct de moteur compresseur avec un fil plug, technicien pral capable faire moteur démarrer sans pièce. La partie mécanique du moteur compresseur, technicien pour le connaître, partie mécanique moteur qui est composée de valves, pistons, clapets, tout dans un seul bloc mécanique. Lubrification des compresseurs, technicien pour le connaître, pour que ça, le moteur doit lubrifier. Parce que si le moteur n'est pas lubrifié, le moteur a brûlé. Parce qu'il y a un travail mécanique qui a fait en dedans. Gen chaleur cap dégager, OK, l'huile là il vient jouer un rôle de refroidisseur pour moteur. Les différents huiles frigorifiques, on va voir plusieurs types de l'huile. Gen capillaire l'huile, gen l'huile S34, gen l'huile universelle et gen l'huile encore. Les dimensions des moteurs et leur équivalent. On va connaître dimension moteur demi 516 k, OK, demi 516 k 8e et équivalent ou si m'ba joine ça qui ça qui ca remplacer là nous na partie électrique là qui ça qui gain na partie électrique là nous gain un schéma électrique d'un système simple, schéma électrique d'un système complexe, les pannes électriques, test ground ou short ground, OK. Mécanique. Dans mécanique là, qui ça nous va gagner pour nous voir dans mécanique là, étude des outils de réfrigération, les différents types de condenseurs, le détendeur ou tube capillaire, les différents types d'évaporateurs, le réfrigérant gaz, technique de réparation d'un système frigorifique, savoir comment installer un moteur compresseur sur un compartiment système domestique. Combinaison d'un système de climatiseur et un compartiment, ça qui nous les friseurs créole là, les opérations pour réfrigérateur ou bien pour friseur, ou passer tu en dedans et pour mettre un climatiseur sur lui pour le cas travail plus rapide. Rebuild dans un système frigorifique, ou pas bien poursuivre ensemble avec nous comment pour passer tu dans un friseur, si toutefois friseur ça lui-même et évaporateur par là qui encastré a l'état coulé, eh bien on fait une qui apparent pour lui. La méthodologie, ici on va aller pour l'apprendre méthodologie ensemble avec nous parce que ici on doit connaître et ruban métrique, OK, de connaître ruban métrique. Si on passe tuyau, faut connaître ruban métrique pour espace tuyau entre 8 à 10 cm et si on va installer un climatiseur pour un client tout, faut qu'on capable prendre mesure pour capable faire ça relier un devis pour qu'on ait qui dimension climatiseur mettre dans espace là. Climatisation qui ça te est simple gain pour le ensemble avec nous et dans climatisation, il va gain pour connait les composants du circuit d'air conditionné, les différents types de climatiseurs, savoir pourquoi climatiser, technique d'installation d'un climatiseur Windows, technique d'installation d'un climatiseur split, les outils importants pour l'installation d'un split, technique de dépannage électrique et mécanique, pompe down,
procédé du pompe d'Aaron. Ok. Liste des outils. Liste des outils. Ok. Technicien pour le connaître tous les outils qu'il a bien besoin pour le faire métier à Jean qui était dit avant. Juste avant de nous entrer dans les outils, on pourra voir définition outil. Qui ça dit pour outil? Il dit c'est la fourniture ou collection des outils nécessaires pour effectuer un travail avec efficacité. L'outil vient du latin utilis qui signifie utile. C'est un instrument de travail. Ok, là nous allons commencer avec les outils qui ça nous gagne avant. Nous gagne multitesteur digital. Multitesteur digital, pince en probe ou bien pince ampère métrique. Le manomètre ou gauge, c'est soit un petit manomètre ou bien un petit gauge. Manomètre c'est français, gauge c'est anglais. Le hand ou tubotoche, le hand ou tubotoche à souder. Map gaz pour panne. Jeu de pince et de tournevis. Jeu de douille. Jeu de douille. Les clés 8 à 10 à 14. Boîte flowering tools. Flux booster capacitor. Bout de tuyau 316, K516 et capillary tube. Tube quêteur. Pince rivette. Détecteur de phase, détecteur de fuite, fil plug, scie à métaux, un morceau de tôle, un morceau de miroir, ruban métrique, pompe vacuum, gants de protection, lunettes de protection, dénudeur, point de son, rifter, burin, pince multiprise, marteau chapante, scie à métaux, pince grip, bosse métallique, ken adapter, tête ken, piercing valve, maille en caoutchouc, lime plat, lime ronde. Les appareils de mesure. Là nous parlons appareil de mesure. C'est l'ohmmètre, le volmètre, le manomètre, ruban métrique. Ça aussi appareil de mesure qui yoyé. Les outils importants pour l'installation des splits. Au balcon tous les outils qui importants aussi ou installer un climatiseur pour un client. On a besoin d'aplomb, ruban métrique, drill ou perforeuse. Si pas jeune drill là ou bien ou ka servi ensemble avec et burin tout burin avec masse. Ok, drill ou perforeuse, vis et cheville K et 516, clé ajustable 8 à 12 pouces, jeu clé L, jeu de tournevis, burin, marteau chapante. Déparlez-nous de 7 points importants pour obtenir la réfrigération. Vous voyez 7 points ça ou là, qui 7 points oui. Vous avez besoin le compartiment. Compartiment qui c'est quoi appareil là, ça ne décarre les pots réfrigérateur. Le moteur compresseur, le condenseur, le détendeur ou tube capillaire 031 à 060. Ça c'est dimension tube capillaire. L'évaporateur ou freezer. Les tuyauteries 316, K516, 38, demi, 5 huitièmes de pouce. Les réfrigérants gaz R12, R134, R600A, R22, R410. Normalement, là, nous entrons dans l'historicité métier là, qui ça dit comment fonctionner un réfrigérateur. Vous pouvez voir comment un réfrigérateur fonctionne. Mais avant, nous allons entrer dans la généralité là, avant. Voyons quelques généralités. Dans le langage courant, on l'appelle aussi frigo ou frigidaire. Ou toujours tendez, on a dit frigo,
ça c'est mot courant, oui. Elle dit mot qui toujours répété souvent. Le mot frigo, c'est tout simplement l'abréviation de frigorifique. Mot frigo a sorti dans mot frigorifique. Frigorifique, ça qui a un rapport avec froid. Par contre, Frigidaire, c'est le nom d'une marque créée par General Motors en 1918 qui fabriquait alors de l'électroménager. Là, tout le monde souvent des tendances de frigidaire pour tout ça qui est ouais. Après, fin suivre pour ça, on va bien pour dire frigidaire pour tout ça ouais. Encore, guetta qu'on est là, frigidaire c'est une marque. Ok, frigidaire c'est le nom d'une marque créée par General Motors en 1918. Non, appareil là c'est réfrigérateur. Frigidaire lui-même c'est une marque. Ou capable bien un réfrigérateur de marque frigidaire, un réfrigérateur de marque Midea, West Point et autres. Ok. Aujourd'hui, la marque Frigidaire appartient au groupe Electrolux. Ok, les pas pour General Motors encore. Ça veut dire qu'il appartient au groupe Electrolux. Avant l'invention du réfrigérateur, il existait des livreurs de glace qui récupèrent de grandes quantités de glace en montagne ou dans les océans et les transportent jusqu'aux familles les plus bourgeoises. Je dis, avant le réfrigérateur a été inventé, eh bien, il y a l'autre moyen qui a été utilisé pour jouer une glace. Qui moyen a-t-il? Yo fait nous connait que et gien livre glace tant que monde qui a vendre glace yo monde qui a chercher glace là un côté pour venir bailler l'autre côté. OK, yo même peut-être qu'on a récupéré de grandes quantités de glace en montagne ou dans les océans. Nous pas le côté comment yo te qu'on a comme qui moyen yo te qu'on utiliser pour te aller chercher glace ça dans montagne yo ou bien dans océan. L'autre solution qui existait était de stocker durant l'hiver de très grandes quantités de glace dans des puits ou dans des citernes. Ok, je te compte stocker glace ça dans des puits ou dans des citernes. Mais glace ça façon je te compte former glace c'était je te compte fouiller on t'a de gros trous en te carré les fosses dans terre. Ok, je fouille tout ça. En hiver, nous connaissons du fait plus froid en hiver qu'en été. Eh bien, les hivers paraît, eh bien, neige commence à tomber. Neige a tombé en dentour. Le plein toit. Neige a plein toit. Eh bien, tout neige ça, je viens coller ensemble, je viens former ça, il est glace. Après ça, je couvre, je mette paille sous lit en façon pour vent, pour chaleur, pour pas battre glace ça. OK, et glace ça les capabilité jusqu'en été. L'autre solution qui existait était de stocker durant l'hiver de très grandes quantités de glace dans des puits ou dans des citernes. OK, j'aime bien ce timon là. Cette très grande masse de glace mettait un bout de temps à fondre et pouvait tenir tout l'été. Elle dit glace ça et qui fait en hiver en dans tout hein, et bien glace ça est capable d'être jusqu'en été. La conservation de la viande elle se faisait par séchage et salage. Ça c'est un autre moyen que on utilisait pour conserver viande, pour empêcher viande de tomber en décomposition, parce que depuis viande dans les salé les sécher les capable d'être pour un et pour un nombre de jours. Le premier réfrigérateur fut inventé au 19e siècle et il fonctionne avec de l'éther puis avec de l'ammoniac. Avant, pour qu'on gagne ça, nous avons dit gaz R74, gaz R600A, gaz 22, pour qu'on gagne gaz ça. Le premier réfrigérateur, le gaz qu'on utilisait, c'était éther avec ammoniac. À partir de 1928, il pourra remplacer gaz était avec ammoniac qui c'est CFC qui yoyé que CFC c'est chlorofluorocarbure
comme le Fréon 12. Fréon 12 dans lui-même, c'était et gaz et frigidaire, marque frigidaire qu'on utilisait, c'était Fréon 12. Les CFC sont interdits depuis 1997 car ils détruisent la couche d'ozone. CFC a été clore là-dedans. Les CFC a les libéré dans la nature. Eh bien, chlore les prend direction en l'air pour lui. Il y a le pété couche d'ozone. Ça qui peut provoquer réchauffement climatique. Aujourd'hui, on utilise quelquefois des HFC, des hydrofluorocarbures ou bien du propane RD190. Mais on utilise surtout de l'isobutane R601 qui n'est pas dangereux pour l'environnement mais qui est extrêmement inflammable. Et gaz 601 lui-même n'est pas dangereux mais en cas de l'icamété diffé. Je ne pas prendre précaution ensemble avec elle. Et définition réfrigération. La réfrigération est le terme générique pour désigner l'ensemble des procédés servant à abaisser la température dans un espace clos pour conserver des produits. Le froid permet en effet de stopper la croissance bactérienne et ralentit les réactions chimiques indésirables pour augmenter la durée de vie d'un produit. La climatisation peut prendre de nombreuses formes. Elle permet de rafraîchir la maison et même de la chauffer pour certains modèles. Là, il y a parlé de climatiseur réversible, ça qui cabaye ni chaud, qui cabaye ni froid. Elle est mobile ou fixe, un monobloc ou split ou centralisé. Ok, en d'autres termes, la réfrigération tout comme la climatisation, c'est l'absorption et la production du froid artificiel. Il existe deux types de réfrigération. La réfrigération commerciale ou industrielle, la réfrigération domestique. C'est deux types de réfrigération ça qui gagne. Mais ça va étudier ensemble avec moi là, c'est la réfrigération domestique. Qui ça dit pour réfrigération industrielle là, commerciale ou industrielle là? Elle dit c'est une réfrigération qui est faite à partir de pays à pays, de grands pays à pays par moyen de transport, bateau, trailer, chambre froide. Donc on a une viande qui a pris ici, des médicaments qui a pris ici. Ça, c'est bateau frigorifique qui transporte. Et trailer frigorifique, chambre froide qui est réservé pour et soit médicaments, viande, tout ça. La réfrigération domestique qui est la mère fondamentale de toutes les branches frigorifiques. Réfrigération domestique là les mêmes ni c'est un maman, OK, ou pas capable passer par les mêmes parce que c'est dans réfrigération domestique pour former, pour apprendre souder, pour apprendre mettre gaz, pour apprendre faire des bagages. OK, avant qu'il aller non, climatisation c'est ça qui fait nous passer par réfrigération avant ensemble avec après pour nous passer dans climatisation. D'autres on trouve ces appareils réfrigérateur, friseur ou congélateur, water cooler. Si on prend quelques marques et nous apprend Midea, West Point, General Electric, 110 à 127 VAC, fan, fan ou ventilateur. Compartiment corps bien fermé. Les différents types de réfrigérateurs, il existe deux types de réfrigérateurs domestiques, le système de réfrigérateur simple ou à givre ou à neige ou encore en tuyauterie et tôle aluminium. Pour éviter nous faire vidéo trop longue, eh bien nous camper là et wap bien pour joindre avec encore dans l'autre séance. Pas oublier abonner, activer cloche notification. Partager vidéo avec un autre ami. Excusez, quittez commentaire, OK? Si vous avez une question, vous mettez quitter dans commentaire. Nous-mêmes nous allons répondre toutes questions qui posées. OK? Ciao. À la prochaine.